Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif sur Fortnite, donc vous allez dans les modes de jeu, vous allez dans les modes de jeu créés par Epic Games et vous allez choisir le mode de jeu mode créatif. Quand ceci est fait, vous appuyez sur triangle pour lancer la partie et vous allez dans la boutique de Fortnite pour noter le code SCM en minuscule ou en majuscule pour me soutenir sur Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font, vous êtes des BG les mecs. Alors pendant que la connexion se fait, ce que vous pouvez faire aussi c'est liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans la map de Fortnite, je vais vous demander un truc avant de réaliser le glitch, c'est d'aller sur ce pad-ci et noter le code que je vais vous dire. Donc vous notez le code 83572908064 39. Le code sera bien sûr en description en commentaire. Vous acceptez, hop, et vous attendez que la map se charge. En attendant que la map se charge, vous allez rentrer un deuxième code ici qui est le code, attendez, hop, le code c'est 44197734633. Et là vous allez mettre par précaution point d'interrogation V égale 112 pour la version 112. Très important, mettez bien la version 112 pour être sûr que le glitch fonctionne. Ok, donc quand c'est fait, vous attendez que la map se charge. Pendant que la map se charge, vous rentrez dans la première carte qui est ici. Donc c'est la carte de Johnny34. En fait, on essaie de débloquer de l'XP sur cette map pour pouvoir vous proposer des glitches d'XP exclusifs à cette chaîne et des meilleurs glitches d'XP, donc vous proposer de meilleurs contenus. Donc s'il vous plaît, si vous voulez bien, je vous en s'il vous plaît quoi, franchement si vous le faites, vous êtes les boss, mais franchement, venez juste ici 2-3 petites secondes, vous interagissez avec 2-3 objets, vous interagissez avec 2-3 armes. Voilà, vous construisez 2-3 rampes, voilà comme ceci, et ensuite vous quittez la map, vous faites option menu retour à l'accueil, et en fait si on arrive à obtenir 1000 personnes qui se connectent sur cette map aujourd'hui, et ben là on est déjà à 100-150, un truc dans le genre. Donc si on arrive à obtenir 1000 personnes qui se connectent sur cette map aujourd'hui, nous débloquerons l'XP sur cette map et nous pourrons vous proposer des glitches exclusifs qui vont vous rapporter beaucoup d'XP. Donc voilà, franchement, s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça, franchement vous êtes les boss. Alors, maintenant, quand vous avez fait, quand vous avez été dans cette map, vous allez dans la deuxième map que je vous ai dit de noter le code. Et en fait, le glitch va se passer tout dans cette map. Alors, bien entendu, le jeu vous propose de soutenir un créateur sur Switch, Xbox, PC, PS4, PS5. Donc, si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle. Vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Peu importe. Et ensuite, vous acceptez. Donc, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, franchement, ça fait super plaisir. Donc là, ensuite, vous appuyez sur Option, vous allez dans le menu, vous lancez la partie. Quand vous avez lancé la partie, vous appuyez sur X pour le support, voilà, parfait. Là, vous allez devoir attendre 5 secondes. Donc pendant les 5 secondes, soit vous écrivez un code créateur ici, ou soit vous attendez. Quand vous avez attendu, vous prenez le grappin qui est juste ici, le cramponneur. Ensuite, vous sautez dans le vide, en plein milieu de la map. Là, il y a un tremplin. Vous allez prendre ce tremplin. Et ensuite, vous allez aller sur la droite, regardez, vers la droite comme ceci, hop, boum. Vous vous dirigez vers la droite, vous vous laissez tomber, voilà. Regardez où est-ce que le tremplin, il est juste là-bas. Moi, je suis juste ici, donc je suis contre le mur. Je fais une case, parce qu'ici, on ne peut pas construire, donc une case supplémentaire. Je fais une rampe, deux rampes, un plat, une rampe, deux rampes sur la gauche, un plat. Donc voilà, ça donne ça, rampe, rampe, plat, rampe, rampe, plat. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est monter tout en haut, faire une petite émote juste ici, voilà, peace. Ensuite, vous descendez et vous refaites une deuxième émote juste ici, sur le deuxième palier. Voilà, ensuite, vous allez ici, normalement, il y a un petit bouton qui est apparu, Secret Room XP. Donc, il faut bien se mettre pour pouvoir interagir avec, voilà, Secret Room XP.
Donc là, normalement, vous allez gagner des XP. Donc regardez, 2000, 4000, 6000. Voilà, là, je gagne des XP. 8000, 10000, 13000, 15000, 17000. Voilà, 2000. Oh, ça continue à monter. Donc de 17000, là, je suis à 22000. Voilà, maintenant, ça va augmenter petit à petit. Donc c'est un glitch AFK qui va vous rapporter des XP sans rien faire. Donc dès que vous aurez fait la première manipulation, vous allez gagner des XP sans rien faire. Donc là, j'ai déjà gagné 25 000 super rapidement. Alors là, je vais vous montrer un autre glitch. Donc vous, parce qu'en fait, dans cette map, il y a plusieurs petits glitchs. Donc je vais vous en montrer plusieurs. Donc là, vous ressautez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez près de l'igloo. Donc là, regardez, ça fait une case, deux cases. Donc on va compter comme ça. On va ici, dans le coin. On fait une case, deux cases, trois cases. Et ensuite, on fait une case vers la gauche. Voilà, comme ceci, donc ça fait trois cases, une case. Et là, vous allez construire, partir d'ici, hein, pas à partir de la deuxième case, mais à partir de la troisième case, voilà. Et vous allez construire trois rangs, une, deux, trois, quatre même, quatre rangs, ouais. Un, et puis deux plats. Et là, donc ça fait une, deux, trois, quatre rampes, deux plats. Et là, maintenant, vous dansez. Et regardez, ça m'a fait pop un pistolet laser transformateur. Transforme accessoire. Quand vous avez ce pistolet laser transformateur, vous allez près de la lampe ici, vous interagissez avec la lampe, boum, vous appuyez sur L2. Enfin, ça dépend de la configuration de vos touches. Moi, c'était R2. Ça peut être R1 pour vous. Ensuite, vous rentrez ici, vous allez sauter au-dessus de la baignoire, comme je suis en train de le faire. Et quand vous êtes au-dessus de la baignoire, vous allez à gauche. Voilà, ça vous téléporte dans une pièce. Quand vous êtes dans cette pièce, vous rentrez dans cette première porte. Cette deuxième porte, cette troisième porte, vous fermez la troisième porte qui était sur la gauche. Et là, vous ouvrez, vous interagissez avec le petit accessoire à côté du coffre. Donc, quand ceci est fait, ben, vous allez gagner des XP supplémentaires. Donc, maintenant, on va redescendre en bas. Voilà. On va reprendre le pistolet transformateur. Et là, regardez, au fond. Donc là, je vais me transformer en lit. Oups. Là, je me transforme en lit. Mais je ne veux pas me transformer en lit, moi. Juste à côté du lit, il y a une petite boule de neige. Regardez, là je l'ai bien pingé, enfin je l'ai bien pointé. Et si j'appuie, ben là je vais me transformer en boule de neige. Boum. Quand vous êtes en boule de neige, ben vous rentrez. Vous pouvez pas vous transformer à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il faut le faire de l'extérieur. Ensuite, vous allez derrière la cheminée et là vous cherchez après un petit bouton interagir. Donc vous interagissez avec, parfait. Après, ça va vous donner aussi des XP. Donc ça vous donne des XP en AFK un peu plus rapidement qu'en temps normal. Alors ici, il y a un autre glitch près de la Thompson. Donc vous montez sur la machine de la Thompson, de Midas. Vous ressautez encore une fois. Vous arrivez sur un petit mur invisible, hein, comme ça. Et là, vous ressautez. Et là, ça va vous emmener où il y a plein d'œufs. Donc vous allez devoir trouver un œuf spécial. Donc cet œuf, il est juste ici. Hop. Donc c'est un œuf poisson. On va changer de... Voilà. C'est un œuf poisson. Et il est... Enfin, prenez des points de repère. Le Xit, il est là. L'œuf avec le point... Avec la tête de poisson est juste là. Donc vous allez devoir bien vous placer pour pouvoir accéder au bouton secret egg. Donc voilà, là regardez, je gagne encore des XP. Ensuite, il y reste encore un glitch. Donc avec votre crampreneur, vous allez descendre. Vous allez monter ensuite, comme je suis en train de le faire. Hop, vous montez avec votre crampreneur jusqu'en haut. Ensuite, vous montez ici. Et là, regardez, je suis sur un mur invisible. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement avancer. Oups, j'ai raté. En fait, faut pas avancer, faut sauter. Et voilà. Hop. Donc vous êtes sur le petit mur invisible et là vous sautez comme ceci. Voilà, donc ça va vous emmener vers une pièce secrète encore. Et là, dans cette pièce secrète, vous allez pouvoir récupérer la conserve qui est juste là et lancer la conserve sur le nounours plus ou moins par là. Donc voilà, vous lancez 2-3 canettes jusqu'à temps que vous y arrivez. Et là, ben, ça va vous faire encore gagner des XP. Donc par contre, là je gagne plus ou moins... combien je gagne là? Je gagne 30 XP par seconde sans rien faire. Faut savoir que là, je fais rien. Je vais manger, je vais me laver, je vais au sport, je vais à l'école, je vais travailler, je fais ce que j'ai envie. Et je gagne 30 XP par seconde. C'est possible que vous gagnez un petit peu plus d'XP par seconde. C'est possible, hein, moi je gagne un peu moins peut-être. Mais en tous les cas, le premier glitch que je vous ai montré, ça va vous rapporter 22 000. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement le relancer. Donc vous quittez le mode créatif, vous relancez, vous refaites le premier glitch si c'est le premier glitch qui vous intéresse. Ou si vous voulez rester AFK et sans rien et gagner des XP sans rien faire, bah vous faites tous les glitchs que je vous ai montrés et vous restez là et vous gagnerez des XP sans rien faire.
Donc voilà, très important, n'oubliez pas de rejoindre la map que je vous ai montrée en début de vidéo. C'est très important si vous voulez qu'on vous présente des glitches exclusifs, des glitches qui vont vous rapporter un maximum d'XP et des glitches qui ne se feront pas patcher super rapidement. Bah, n'hésitez pas à vous connecter aujourd'hui, hein, franchement c'est très important. Connectez-vous tous aujourd'hui sur la map en question pour être sûr qu'on puisse débloquer les XP. Si on y arrive, franchement, on sera tous gagnants. Vous allez voir, vous allez... Je vais vous envoyer des glitches à gogo et franchement vous allez kiffer ça. Je vais vous donner du meilleur contenu, donc franchement c'est très intéressant. Parce que moi tous les glitches que je vous présente là, c'est des glitches que je trouve à gauche, à droite. Et ben voilà, ils sont déjà présentés, donc ils sont susceptibles d'être vite patchés. Et quand vous allez essayer, ben, c'est possible que vous gagnez moins d'XP, voire plus du tout d'XP. Parce que ben, le glitch a fait trop le tour de l'internet. Et il y a très peu de créateurs qui font des glitches vraiment très rentables. Donc ça fait vite le tour. Donc si franchement... j'arrive à débloquer des XP sur des maps créatifs, bah franchement je pense qu'on pourra vous proposer pas mal de contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapMumec et ciao. Peace.